Heureusement que je suis arrivé avant la pluie. Ouais. Max est dans son bureau. Ah bien, j'y vais. Jake! Le foin est là. Tu peux le mettre à l'intérieur? Ouais, ouais. Il n'y a pas le feu au lac. Jake, bouge-toi! Regardez! Bob! C'est son sang! Dépêche-toi! J'adorerais monter sans cesse. Pourquoi tu ne l'as jamais fait avant? Ça n'était pas utile. Au moins, raconte-nous où tu as appris. Dans plusieurs endroits. Comment? Peut-être par correspondance. Écoutez, j'ai abandonné l'équitation à mon arrivée au Pin Creux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais pourquoi il a arrêté? Personne ne le sait. Mais on va peut-être le découvrir. Comment? Il a commencé à travailler ici il y a 2 ans. On n'a qu'à enquêter. Cette chanson est magnifique. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Ouais. Les filles, ça vous brancherait de venir écouter mon groupe? Je vous donnerai des billets. Génial. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause. T'es déjà fatigué? C'est pas si facile que ça, tu sais. Jake, le foin doit être mis à l'intérieur. Ah, écoute, arrête de me prendre la tête. Si on fait ça tous les deux, on ira vite. Il faut que j'aille avec Max chercher un cheval à Bridgetown. Dépêche-toi. Bon, bah vaut mieux que je me grouille avant que ça se gâte. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche Max. Ah, d'accord, oui. Alors, est-ce qu'il est quelque part? Qui? Est-ce que ça va? Oui, écoutez, à vrai dire, je me fais un peu de soucis pour vous. Et pourquoi ça? Bah, il y a mieux que tous ces chevaux et toute cette paille. Aller voir le monde merveilleux qui existe dehors. Il y a la musique et les bons copains. Je connais tout ça, je viens juste d'en partir. J'adore la vie à la campagne. Ouais, mais vous êtes trop jeune. Et à votre âge, il faut sortir et rigoler. Oh, il y a pire, tu sais. Ce n'est pas un couvent. J'en ai assez de ce pantalon. Je te comprends. Ça fait au moins la 5e fois que tu le portes. On n'en parle pas. J'aimerais aller m'en acheter un. Tu viens avec moi? Vas-y sans moi, j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il faut que je donne un truc à Jake. Les plus grandes chansons d'amour? Tu plaisantes? Je pensais que son groupe aurait pu s'inspirer d'une de ses chansons. Dans une 50aine d'années, peut-être. Toi, alors, tu n'es vraiment pas romantique.
me disais que nous deux, on pourrait peut-être... Jake a l'air de l'être, par contre. Non, c'est vrai, vous êtes mignonne. Allez, dites oui, je plaisante pas. Sérieusement, vous êtes mignonne. Dites, tes filles, j'ai une information sur Bob. Génial. Alors, t'as trouvé quoi? Il y a 2 ans seulement, Bob O'Malley était le plus jeune membre de son club à s'entraîner pour le championnat national. Alors si je calcule bien, il a 17 ans. Voilà qui explique pourquoi il monte aussi bien. Mais il a failli être un champion. Pourquoi est-ce qu'il a tout arrêté? C'est le seul article sur lui. Je crois que j'ai feuilleté tous les magazines et je n'ai rien trouvé d'autre sur lui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on devrait. Il y a sûrement un moyen pour que Bob réalise à quel point monter à cheval lui manque. Mais il passe la plupart de son temps près des chevaux. Oui, il les fait manger, il s'en occupe. Vous savez ce qu'on dit? Quand on tombe de cheval... Bob, tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je dois être à tout prix montée et moi je dois sortir belle? T'as qu'à le monter après. Regarde-le, il sent qu'on le néglige. Et les muscles de Comanche ont tendance à fondre quand il ne fait pas d'efforts. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Stéphanie. Je t'ai vue quand t'as sauté la barrière. Ne me dis pas que tu as détesté être au galop sur son dos. Ah, je n'avais pas le choix. Je connais personne qui monte aussi bien que toi. C'est étrange que t'aies abandonné. Je suis sûre que tu meurs d'envie de refaire de l'équitation. Mais t'as peur de l'admettre. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour Comanche. Bob? Jack, vous êtes là? Jack? Jack? Oh, hey, Max! Ah. Tu peux dire à Bob que je vais en ville pour quelques heures avec Déborah. S'il y a un problème, je suis joignable sur son portable. Oui, patron. Il faut remplacer l'ampoule de la grange à foin et je veux que tu finisses ce que tu as à faire. Mets de la paille fraîche dans chaque box. Oui, chef. Et Jack, garde ta musique pour chez toi. Tu vas finir plus tôt aujourd'hui. Tu devrais être content. Non. Juste quelques coups de brosse et je te laisse tranquille. Hé, hé. Non, mais regarde-toi. D'accord, tu as gagné. Jake! Dis à Max que je pars en balade 1 heure. Je suis sûre que Déborah déteste la musique. De toute façon, je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est une certitude. Il existe un bon moyen d'en être sûr. Lequel? Non, pas ici. Viens avec moi. Oh, il fait une chaleur. Je sais, mais il nous faut de l'intimité. Je peux lire ton avenir dans les cartes. Tu sais faire ça? Oui, c'est facile. J'ai appris à tirer les tarots et je n'étais qu'une...